Petite parenthèse avant que la vidéo commence, les amis, les préinscriptions pour le Tower of Fantasy ont commencé. Les préinscriptions se font sur leur website, sur l'App Store, le Google Play, Steam et Epic Games. Pour ceux qui me demandent, ceux qui vont me demander en commentaire, est-ce que le jeu sera disponible sur Play et sur Xbox, pour le moment, il n'y a eu aucun communiqué, aucun leak qui précise cela. Pour le moment, on n'est que sur PC et mobile. Mais c'est déjà un bon point. En l'espace de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, on a déjà atteint les 160 000 préinscriptions en comptant toutes les plateformes annoncées précédemment. Du coup, App Store, Google Play, Steam et Epic Games. C'est énorme. Concernant les récompenses, on commence avec deux blagues nucléaires qui nous permettent de faire deux singles sur le portail. On va dire. On va l'appeler le portail premium. À partir des 1 million, il nous donne trois autres blagues nucléaires. Des tickets d'invocation. En dehors de ça, il y a des petites icônes. Des ressources pour améliorer les équipements qu'on porte sur les personnages et pas les. Et pas comment ça s'appelle, les matrices. À partir des 1 500 000 préinscriptions, on gagne 3 nucléaires, 3 gold nucleus pour les portails spéciaux. À partir des 2 millions, on gagne 3 autres, qui fait déjà 6. Et aux 2 500 000, on gagne un skin sur le personnage qu'on a créé. Plus 4 multi, enfin 4 singles, et si je ne dis pas de bêtises, un buff pour avoir les combats et de l'argent avec des petits avatars à droite à gauche, avatar frame, limite des titres spéciaux et tout, jetpack, un petit skin sur le jetpack. Mais dans tous les cas, en l'espace de quelques dizaines de minutes, on a déjà atteint les 156 872 préinscriptions. Et c'est déjà énorme, les amis. Sur ce, je vous dis ciao. Il y aura pas mal de vidéos dès sa sortie de jeu. Ça sera peut-être l'un de mes main jeux. Je dis même que ça sera l'un de mes main jeux parce que le contenu qui sera proposé, j'en parlerai dans la vidéo que vous allez voir là. Ça sera insane. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Tower of Fantasy. Je vous donne mon avis sur cette bêta fermée version globale. Bien sûr, pour ceux qui vont me le demander d'avance, on ne peut pas y jouer. Vu que pour pouvoir jouer à cette bêta fermée, fallait avoir le lien qui était disponible que pendant quelques heures lors de sa première journée de disponibilité. Maintenant qu'on a passé ce cap, ce sujet, je vous donne mon avis. D'un point de vue global, le jeu est vraiment très réussi, très fluide, très, on va dire, je sais pas si je pourrais dire complet parce que pour le moment on a pu rush co jusqu'au, je crois, au niveau 25-30, enfin au-delà du niveau 30, très légèrement. Voilà, grand max niveau 36. Et réellement, du peu que j'ai vu pour le moment sur, on va dire quoi, sur une trentaine d'heures de jeu, on va dire entre 20 et 30, 20 et 30 heures de jeu, le jeu a un énorme potentiel. À la différence de Genshin, c'est que ce jeu propose dans les invocations, au bout de 80 multi, on drop 80 single, on drop un SSR. Mais ce qui est bien quand on fait une multi, on a la possibilité de drop un SR ou plus en termes de rareté. Ça veut dire un SR ou un SSR. Et ça, dans Genshin, il nous propose pas ça. Enfin, de ce que j'ai pu voir au moment où j'ai joué, moi, il n'y avait pas encore ce système de d'invocation. En dehors de ça, le monde est vaste, le monde est très très complet.
Il y a énormément de contenu de ce qu'on m'a rapporté dans les commentaires et sur Twitter et tout. Ils sont en train de mettre en place un système de PVP dans le jeu. Pas qu'on sera introduit. Mais pour le moment, de ce que j'ai lu, il est en phase de patch, on va dire. De patch sur la version chinoise, vu que le jeu est déjà sorti en version chinoise fin d'année dernière. Et c'est d'ailleurs quelques semaines plus tard après sa sortie en version chinoise qu'il a fait le buzz en Chine, vu que c'était le rival direct de Genshin Impact. Et en dehors de ça, la différence entre Genshin Impact, c'est que dans le gameplay, on a bien sûr un personnage jouable et un switch d'armes. Au lieu que ce soit un switch de personnage, c'est un switch d'armes. Là, la différence avec Genshin, c'est que on n'a pas besoin d'invoquer sur l'arme ni sur le personnage. Une fois qu'on drop l'arme nécessaire, c'est directement le personnage qui tombe avec. Et en fait, ils sont systématiquement liés. La différence qu'il va faire, c'est qu'on aura deux types de portails. On aura le portail premium, le portail de personnage. Et le deuxième type de portail qu'on aura, ce sera sur les ships. On va aller voir ça de suite. Enfin, les ships, on va appeler, c'est plutôt les matrices. Et ça, tous les quatre multi, on drop un SSR, un SR. Enfin, un garanti SSR est obligatoire sur le premier cycle, si je dis pas de bêtises. Et ce qui est bien, comme vous l'avez vu, c'est le point commun qu'ils ont sur les deux portails, c'est qu'au bout d'un certain nombre de tirages, on drop le SSR. Maintenant, en termes de gameplay, je vais vous montrer ici, c'est suffisant. Voilà, ça, c'est l'attaque aérienne. Ça, c'est l'aspect. C'est stylé, hein, ça lance des vagues d'énergie à la Ichigo, Getsuga Tencho. Et quand on switch d'arme, c'est pas ça ce que je voulais faire. On va parler des montures, des motos, des véhicules après. Mais. Alors, on a plusieurs systèmes de perso. Ça, celui-là, c'est zéro et réellement. Tous les persos que j'ai testés, pour le moment, j'ai drop que 3 SSR avec tous les SR, bien sûr. Et réellement, le jeu a un énorme potentiel sur le switch de personnages et tout. La différence, comme je vous l'ai dit avec Genshin, c'est que Genshin, en fait, il n'a pas ce. Par rapport à. Enfin, c'est que Genshin. Il faut suivre ce système de combo de différents éléments. Alors que dans ce jeu-là, il n'y a que les types faibles et forts qui sont disponibles. Et du coup, c'est ça qui diffère un peu. Et c'est pour cette raison que j'avais arrêté Genshin. C'est que en dehors du drop, le gameplay, en fait, qu'il fallait switch entre plusieurs personnages, plusieurs types de personnages, était fatigant. Et ça m'énervait un peu. Et ils ont réduit ça à 3, cette fois-ci à 3 personnages, 3 armes, où on peut switch, où on peut balancer des esquives, des perfect dodge, qui nous permettent de faire plus de dégâts et qui ralentissent le temps. Un peu à la Honkai Impact, pour faire davantage de dégâts sur les cibles en minimisant les dégâts. En minimisant les dégâts qu'on reçoit vis-à-vis de la vitesse qui est ralentie dans la zone d'esquive. Et ça, c'est un bon point. Après, qu'est-ce que je dirais? Les montures. Ah oui, les fameuses montures. Les montures, en fait, elles sont présentes. Il n'y a pas que les montures, il y a également les reliques qui sont un support primordial, soit pour monter, soit pour aller dans la rivière et tout. Pour ceux qui étaient. Présent sur mes lives, on a cette possibilité là de surfer et d'aller plus rapide de surfer la mer, les rivières et tout
pour avoir un moyen de véhicule plus rapide, un moyen de mouvement plus rapide que la marche et la course. Après, on a les motos, on a plusieurs types de véhicules. Je vais vous montrer ça. Et ça, c'est les SSR, bien sûr. Après, il y a les reliques. Il y a des reliques de défense, d'attaque, des reliques de déplacement. Par exemple, là, celui-là que je vais utiliser maintenant. Voilà ce que ça fait. Ça balance des missiles. J'ai deux bras supplémentaires qui frappent. Bien sûr, quand il y a une cible. Bien sûr, quand il y a une cible avec de. Cet engin, on va appeler ça ses bras. Ses bras de robot. Ben, les missiles seront automatiquement guidés. Hein. Ça sera des missiles autoguidés et ça, c'est un bon point. Il y a plusieurs trucs, par exemple. Par exemple, la deuxième relique que j'utilise là, que vous venez de voir, cette onde de choc permet de déplacer les objets statiques qui sont bloqués à certains endroits. Par exemple, pour découvrir certaines zones, enfin, certains points pour débloquer des orbes où il y a des récompenses, des tickets d'invocation, des ressources pour améliorer les personnages, pour améliorer les équipements et tout. Cette onde de choc que vous voyez permet de les déplacer de montrer, de décacher en fait, de décacher certains endroits. Je sais pas si ça se dit décacher, mais vous m'avez compris. Et vraiment, ce jeu a un énorme potentiel. J'ai pas trop testé la coop parce que on va en venir là de suite. Et le point négatif, c'est que la coop, dès qu'on lance, il y a trop de bugs. On est bugué, on fait directement un retour à l'écran d'accueil. Et ce qui fait que on doit attendre une demi-heure, une heure pour pouvoir relancer le jeu après. Mais bon, on va dire que c'est le seul point négatif. Il y a très très peu de lag. Quasiment zéro freeze pour une bêta fermée. Qui je pense c'est la dernière avant le lancement du jeu. Et ça, c'est un bon point. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, je pense que c'est tout. J'ai fait le tour, j'ai parlé des graphismes, du gameplay, des invocations, du contenu, des différents modes de jeu. Ouais, c'est bon, j'ai fait le tour et ça, c'est un bon point. Comme je vous dis, le seul point négatif, c'est ça. Et c'est tout. Petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait énormément de plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine pour des nouvelles vidéos sur Tower Fantasy en KSTRLs. Jujutsu Kaisen, pourquoi pas Demon Slayer? On verra ce qui se passera par la suite. Sur ce, je vous dis ciao et prenez bien soin de tout le monde.